Tranquille, spécial bisou, j'y mets pas les pieds, même pas en rêve. Musique, coin intime, les ballons. Franchement, si c'est pas la fête du siècle. Ah, je vous préviens, vous la cassez, vous la remboursez. Ça alors. Tiens, les filles qui valent moins que zéro, les bécasses. Vous voulez admirer en exclusivité une véritable œuvre d'art? Une statue de toi taillée dans la glace? Toujours aussi modeste. La modestie, Sam? Qu'est-ce que c'est? Je vous présente le clou de ma fête sur le thème type Cool attitude qui aura lieu samedi soir. Dommage, Michel-Ange, ça tombe le même soir que notre fête. Non, c'est vrai. C'est pas grave, de toute manière, vous n'êtes pas invités. Strike! Allez, salut, je vais transformer ma piscine en patinoire. La tip-top cool attitude. Mais comment lutter contre ça? Au hasard, avec un lance-flamme. Attendez, j'ai une idée. Bonjour, mesdemoiselles. Que la fête commence sans plus tarder, si vous le voulez bien. Je vous préviens, s'il se met à danser, je sors d'ici. Depuis une semaine, nous assistons à des destructions à tout genre, véhicules, bâtiments, sans raison apparente. Ce chaos doit cesser immédiatement. C'est à l'arbitre de prendre ce genre de décision. Lui seul peut dire s'il y a chaos. Apparemment, quelqu'un préfère le sport aux Français. Tenez, regardez. C'est vrai qu'on dirait qu'ils ont notre âge, mais ils ont plutôt l'air d'être en échec scolaire. Ils n'ont pourtant pas été renvoyés de l'école. Bien au contraire. Sport, art plastique, danse, chacun de ces jeunes excellait dans sa spécialité avant de mal tourner. Alors, question, pourquoi? Beaucoup trop de sucre. Jeux vidéo violents. Mauvais choix vestimentaire. Je peux devenir dangereuse si je n'ai pas les accessoires coordonnés à ma tenue. Toutes ces hypothèses sont passionnantes, mais peut-être que le compoudrier pourrait nous mettre sur la voie. Bonne suggestion. Voyons s'il y a un point commun dans les profils de tous ces jeunes talents. Bingo! Tous ces jeunes ont récemment fait un stage à la Surdouée Académie. Et ça les a rendus comme ça? C'est plutôt la Déjantée Académie. Faites vos valises, mesdemoiselles, vous partez en stage. Désolée, Jerry, mais moi, les stages d'entreprise avec soie à l'élastique et compagnie... Alors, il ne s'agit pas de ce genre de stage. Ce sont des séjours de perfectionnement intensif. Je laisse à Gladys le soin de vous équiper pour l'occasion. Allons-y, mesdemoiselles. Je vous propose donc pour cette mission les gadgets suivants. Les bottines antigravité, les oreillettes émetteurs-récepteurs et pour terminer... De l'insecticide? Quelle horreur! Vous savez que je ne supporte pas les insectes! Ça a l'apparence d'une bombe insecticide, mais l'aérobrume pulvérise en réalité un effet brouillard concentré idéal pour couvrir une évasion. Et il est même délicatement parfumé à la pomme de pin. C'est joué comme ça, mesdemoiselles. En route, le trajet pour atteindre l'académie nous prendra quelques heures. Nous prendra quelques heures? Pourquoi? C'est moi qui vous conduirai personnellement cette fois. Nom de code? Hop, hop. J'enclenche le mode camouflage. On va bientôt arriver. Et si on chante une chanson? Mesdemoiselles, tous ensemble. Si on peut trouver un truc plus drôle, je rêve ou... Sam? Oui, tout à fait d'accord. Complètement d'accord. Allez, un petit effort, la musique est un excellent stimulant intellectuel. Mais oui, j'ai trouvé de la musique. On pourrait engager un groupe pour jouer en live à notre soirée. Pourquoi pas les Teen Cycles? Je les appelle tout de suite. Trop fort, Mandy sera verte quand elle apprendra ça. Wow! Trop tard, je joue déjà samedi soir à la soirée de Mandy. Au revoir, les filles. Maman et moi penserons à vous. Faites comme si on ne le connaissait pas. Souviens-toi, mon garçon, je veux que tu sortes en tête de la promotion. Sinon, tu ne rentres pas à la maison. J'espère que vous ne venez pas ici pour gagner, parce que les jeux sont déjà faits. On veut d'abord s'amuser, après on verra. C'est ça, oui. L'essentiel, c'est de participer. Wow, à mon avis, la concurrence sera rude. Bon, allons-y. Suivant. Il y a quelques garçons plutôt pas mal.
Tu veux dire totalement craquant? Ça m'arrangerait de prendre du temps pour boucler cette mission. Suivant, votre prénom et spécialité? Je m'appelle Alex et je me débrouille plutôt bien sur un skateboard. Au suivant. Je m'appelle Clover, reine de la danse moderne. Les mots me manquent pour décrire mon talent. Bien le bonjour, alors moi c'est Sam et j'ai déjà remporté 6 fois le concours local d'accordéon. Tu sais Sam, il y a des talents qu'il est préférable de garder pour soi parfois. Bienvenue à tous les nouveaux arrivants, je suis Madame Pygmalion et c'est moi qui ai créé la Sirdou Academy afin de développer vos talents et vous entraîner pour remporter les plus hautes compétitions. Je vois, autant dire qu'on a plutôt intérêt à se méfier d'elle. Je propose d'interroger le comte poudrier. Il détecte chez elle des radiations énergétiques très intenses. Pardon. Et ceux qui d'entre vous seront élus meilleurs dans leur catégorie passeront en exclusivité à l'émission qui bat des records d'audience, Star en Herbe, émission qui sera tournée en direct ici même demain soir. Waouh, génial! Je l'adore trop cette émission! Pourrais-je vous rappeler, jeune fille, que vous êtes ici pour approcher l'excellence et non pour vous amuser? Celle-ci, on devrait l'inviter à la fête de Mandy, on dirait sa cousine blonde. Un as du skateboard, à ce qu'il paraît. Ici, nous avons l'habitude de dire qu'une démonstration vaut tous les discours du monde. À moins que vous ne préféreriez rentrer chez vous. C'est parti pour quelques figures acrobatiques. Vas-y, Alex. Mais c'est qu'elle se défend. Quelqu'un peut mieux faire? Ouvrez grand vos yeux. Hey. Oh, il sait faire le double vol du condor. Je croyais que cette figure était humainement impossible. Et en plus, il est beau comme un soleil. Excellent, présente-toi au centre d'évaluation à 20h. Qu'est-ce qu'il est fort! Au centre d'évaluation? C'est quoi ça? Rassure-toi, ça ne te concerne pas, c'est seulement pour les gagnants. Retournez vous entraîner, vous n'avez qu'une journée pour m'impressionner. On devrait se séparer et essayer de trouver quelqu'un qui connaisse les futurs casseurs. Waouh, super tes pointes. Je peux te poser une petite... Je peux te poser une petite question, la danseuse? Je te demande pardon, est-ce que je peux... Ils n'ont pas l'air de savoir que cela couler douce, c'est aussi un art très respectable. Il faudrait leur apprendre que le talent n'empêche pas la politesse. Ça ne tourne vraiment pas rond, cette histoire. J'irais bien évaluer ce centre d'évaluation. Moi, ça me dirait assez de revoir ce skateur. On pourrait peut-être le voir ce soir. Ah oui, ça c'est une idée. On se retrouve devant son bungalow. Bien d'entendre ce qu'ils se disent à l'intérieur. Sache qu'une super espionne ne sort jamais sans se munir d'une oreillette émetteur-récepteur. Hé, ça c'est de la précision. Laisse tomber l'accordéon, c'est le lancer d'oreillette, ton vrai talent. J'entends Madame Pygmalion et aussi Andy le skateur. Qu'est-ce que je fais sur scène? On va me décerner un trophée, c'est ça? Les récompenses attendront. Hein? Pour l'instant, voyons le taux de talent qu'il y a réellement au plus profond de toi. Impressionnant, ça a grillé l'oreillette. Oh, génial, Gladys va nous tomber dessus en rentrant. Pour l'instant, moi, ce qui m'inquiète, c'est ces deux gars-là. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Pas un geste. En fait, on est... on est somnambules. Mais ouais, c'est ça, c'est un de nos talents. Non seulement on marche en dormant, mais aussi on court. J'espère que non. Ce
C'est quoi ce truc-là? On dirait une sorte de champ de force. Je vois pas ce que ça fait dans une école de talent. J'ai l'impression que l'épanouissement personnel de ces jeunes n'est pas le souci de la maison. Cette petite fouineuse devient trop dangereuse. Le moment est venu de révéler et d'exploiter ses talents. Oh, impossible de fermer l'œil de la nuit. Je suis certaine qu'il est arrivé quelque chose à Andy. J'ai ausculté mon oreillette grillée. Elle a reçu des radiations trop intenses. Je suis sûre que c'est lié à l'étrange lumière qu'on a vue. Bonjour tout le monde, j'ai une nouvelle à vous communiquer. Oui, bah ça va, elle va nous annoncer qu'on va arriver en retard à notre soirée. Notre supposée star de skateboard n'avait finalement pas la carrière nécessaire. Je vous annonce donc que sa place est toujours vacante et que je laisse à qui la voudra cette planche qu'il a laissée avant de partir. Hé, c'est le moment. Je vais retourner répéter tous mes enchaînements. J'ai peut-être encore une chance. Alex, rappelle-toi ce qui est arrivé à Andy. Je vais essayer de m'infiltrer dans le centre d'évaluation. Hein? Une intruse se dirige vers le centre. Arrêtez-la et attendez mon... Ah! Elle vient de réaliser le double vol du condor. C'est de la folie. Il y avait qu'Andy qui pouvait réaliser une telle figure. Plus maintenant. T'as vu ça, Sam? Sam? Elle parlait de s'infiltrer dans ce fameux centre. Enfonce! Laissez-moi sortir. Hé, je vous préviens, je ne sors jamais sans mon accordéon. Et je n'hésiterai pas à en jouer s'il le faut. Tiens, ne te gêne surtout pas. À l'évidence, tu as des talents cachés. Et ça m'intéresse énormément. Vous êtes complètement malade. Hors de question que je joue une seule note pour vous. Tant mieux pour moi. Mais c'est quand même dommage. J'aurais bien aimé assister à ta toute dernière prestation. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il faut arriver à rentrer, ça me court un grand danger toute seule. Il y a forcément une fenêtre quelque part. C'est le moment de défier les lois de l'attraction. Oh non, Madame Pygmalion a coincé Sam. Et elle s'apprête à jouer de l'accordéon. On a intérêt à intervenir d'urgence. Oh, ça sert à rien. Tiens bon, Sam. Vous transformez des surdoués en zombies destructeurs, mais pourquoi? Vous y gagnez quoi au fond? Oh, c'est bien simple. Je me nourris de ce qui donne un sens à leur vie, leur talent. Que la fête commence! Débarrassez-vous d'elle. Je crois que je vais faire l'impasse sur ce talent-là, ou peut-être l'infligerai-je à quelqu'un d'autre. Non, même moi, je ne suis pas si cruelle. Regarde, elle stocke le talent des gens dans un cube transparent. Ils emmènent Sam à nous tuer. Tu vas bien? Tu peux parler? Elle a l'air vivante, mais ramollie du cerveau. Hey, t'as entendu ça? Ça vient de là-bas. Il y a quelqu'un? Clover, derrière toi, attention! Andy? Andy, tu t'attaques aux filles? Je suis déçue. La dénicheuse de talent a fait d'elle une zombie comme les autres. On dirait des insectes attirés par la lumière. Exactement! Oh, et on a juste ce qu'il faut contre les insectes au cas où tu l'auras oublié. On ne peut pas abandonner Sam comme ça. Il doit bien y avoir un moyen d'inverser le processus. Peut-être, mais seule Madame Pygmalion le connaît. Je veux... détruire. Mais oui, on va te trouver quelque chose. Eh oh, ça va bien maintenant, ce champ de force? On doit pouvoir le contourner ou le désactiver, ou alors... C'est quoi ça au juste? Vous pourriez appeler plus souvent. Papa vous manque? Là, en ce moment, on peut dire ça. On aurait surtout besoin de votre expertise pour désactiver ce champ de force. Un challenge. Voyons si Gladys peut identifier le système. Où est ça? Je veux détruire! Elle s'occupe comme elle peut. Bon,
comment on fait pour désactiver un champ de force? Je viens de lancer plusieurs simulations. Dans tous les cas, il vous faudra construire un simple inverseur de phase à proton en modifiant votre... Détruire! Ah, détruire! Tout détruire! Laissez tomber, Jerry, je crois qu'on a trouvé. Merci, Sam! Mais gardons un peu pour tout à l'heure! Quelque chose me dit que notre voleuse de talent va frapper fort ce soir lors de l'émission qui sera en direct. De l'émission Star en Herbe arriveront, ils auront devant eux le plus grand talent que le monde ait jamais connu. Moi. J'ai ouvert cette école il y a maintenant 10 ans parce que j'avais un rêve. Je voulais découvrir et révéler de jeunes talents pour les former et les perfectionner. Pour ensuite vous les approprier. Ne faites pas attention à ces mauvaises perdantes. Elles seront bientôt exposées à mon rayon. Que le spectacle commence. Au skateboard, je le relève. Pas mal, mais pas la peine de frimer, ça gâche un peu la performance. Ça a l'air très susceptible, ces petites choses. C'est toi, Sam? T'inquiète pas, tu vas redevenir normal dans pas beaucoup de temps. Enfin, j'espère. Je veux tout détruire! C'est comme tu veux, après tout, défoule-toi, détruis tout. Gagné! Je suis sûre qu'après ça, elle aura déjà beaucoup moins de talent. Très original, ces nouvelles figures, mais moi, je préfère celles qui ont fait leurs preuves. Tu veux passer aux arts martiaux? J'accepte. J'ai absorbé le talent de tellement de ceintures noires que tu n'as pas la moindre chance de me battre. Eh ben, je peux quand même essayer. Oh là là, c'est pas gagné d'avance. Ouvrez donc les yeux, mesdemoiselles. Vous n'êtes pas de taille contre moi. Et même si je dois abandonner mon école, je vais devenir la star la plus talentueuse du monde. Désolée, il faut que j'aille me préparer pour mon émission. Voulez-vous dire un dernier mot pour la postérité avant que votre cerveau ne se ramollisse? Eh bien, mes toutes dernières paroles iront à ma copine Alex. Inverse la polarité de tes bottes anti-gravité. Que j'inverse la... Il faut avouer qu'elle a fait preuve d'un talent éblouissant. Oui, mais après la lumière, elle va passer pas mal de temps à l'ombre. Joli travail, mademoiselle. Un peu trop de classe, mais efficace. Sam et les autres élèves seront contents d'apprendre que Gladys travaille à l'inversion du redoutable rayon drainant. Je veux détruire! Gladys a juste besoin de ce petit cube d'une télécommande et le tour est joué. Oh, wow, c'est l'équipe de Star en Herbe, ils sont arrivés! Je ne voudrais vexer personne, mais on ne peut pas faire l'émission dans un décor si délabré. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'êtes pas forcé de tourner ici après tout. Et où voulez-vous que je trouve un autre plateau en si peu de temps? Oh, personne ne m'aime.
Excuse-moi. Les Teen Psychers, je savais que vous viendriez. En fait, on vient de la soirée d'à côté. On peut prendre quelques glaçons? Oh, super, ouais, très bien. Merci. Ah, mais attends. J'entends rien. Est-ce que ça va, Beverly Hills? Plus fort. Ce n'est pas carrément grandiose, notre soirée. C'est la Lady Clover mention spéciale pour l'orchestre. Bravo, Sam. C'était tout à fait remarquable. Merci. Et le plus beau dans tout ça, c'est que personne n'est en compétition. On joue vraiment tous ensemble. Eh oui, le talent, c'est pas une affaire de gagnant et de perdant. L'important, c'est de prendre plaisir à ce qu'on fait.